Allez-y. La salue, présence, presse parlée, écrit, télévisée. Et en ligne, qui présent avec nous dans le ministère de la Justice, dans le souci pour nous clarifier certains points d'ombre par rapport à grâce présidentielle là et par rapport avec tout scandale que ça a provoqué. Présence nous sous autorisation et leadership ministre de Justice là, qui c'est M. Luc Mandeline, c'est pour nous essayer de retracer les parcours et la méthodologie employée par le ministère de la Justice pour nous quitter abouti avec grâce présidentielle là. Le 25 mars 2020, par la suite de l'intrusion de la pandémie COVID-19 qui est entrée dans le pays, le fait que la pandémie a provoqué une panique, le ministre de la Justice, là, qui s'est mis Luc Mandeline, sous initiative l'initiative, prend une réunion avec certains acteurs dans le domaine. Le 25 mars 2020, dans le bureau palais. Dans la réunion, ça a été diverses institutions qui étaient là, notamment le tribunal de première instance de Port-au-Prince, représenté par Maître Bernard Saint-Ville, qui est le doyen. Il y a Parquet à Tours, qui est le commissaire gouvernement, il y a GSSP qui était là, qui était représenté tout par le directeur et adjoint, qui est Maître Salon. Il y a un OPC qui était là, qui était représenté par son directeur général, qui c'est Maître Auguste, Amos Auguste. Il y a le BINI qui était là, qui était représenté par deux représentants, qui c'est, je me souviens pas, c'est M. Serge ainsi que Mme Pierre. Et il y a moi-même qui était là, et qui c'est directeur des affaires judiciaires ministères là. Tu es directeur cabinet ministre de là, et puis enfin tu es ministre de là. Par la suite de rencontre ça, il a été prévu d'établir un plan de désengorgement des prisons. Parce que nous te dit que si toutefois une pandémie ça entre dans la prison, ça a catastrophique pour tout le pays, notamment pour les prisonniers qui sont les plus vulnérables de ce pays. Suite à rencontre ça, il a été décidé pour nous d'établir un groupe de travail. Un groupe de travail, ça, côté nous-mêmes, nous avons conduit pour le ministère, là, groupe de travail, ça. Groupe de travail, ça, a réuni toute entité, moi, cette cité là avec nous, par représentant ou par monde qui était là. Et dans le groupe de travail, ça, nous avons diverses séances de travail, nous avons fait. Et dans diverses séances de travail, là, nous avons fait un plan. Qui est un plan officiel du ministère avec concours tout notre acteur de notre cité là, que nous ferons le plan état d'urgence sanitaire, plan de désengorgement des prisons. Ça, c'est document, c'est plan, nous avons élaboré. Plan qui ça planté la donne, de concert, ou bien en concertation avec toute entité ça de notre cité là, ou bien toute personnalité, nous avons établi des critères. Des critères qui t'a pas aidé nous, qui t'a constituer des boussoles pour nous voir comment nous avons agi, nous avons agi dans la prison tout en respectant les critères établis dans le groupe de travail. Maintenant que, bon, c'est à partir de plan ça, on diverses initiatives administratives qui étaient venues prendre. Par exemple, le ministre était obligé d'écrire directeur général PNH là, ou directeur général PNH là, instruit. Directeur d'administration pénitentiaire pour te dresser une liste des prisonniers qui étaient éligibles à tous les critères. Et le ministre, par la suite, par exemple encore, le ministre écrit directeur de IBES pour le cadre que les mineurs, je vais nous retrouver liberté, pour nous donner une sorte d'accompagnement des mineurs pour nous t'écart et mineurs pour ne pas te larguer pour contrôler pour retrouver liberté. Et il nous a écrit tout CSPJ, le ministre a écrit CSPJ, pour CSPJ te désigner une ou deux membres pour te venir participer dans le groupe de travail ça, parce que d'après ça nous et constat nous t'ai fait, c'est seulement CSPJ qui partenaire continue ensemble. Suite à démarche administrative,
DAP, qui c'est direction de l'administration pénitentiaire, lui soumet une liste par le ministère là, avec des documents qui sont 808 prisonniers. Non, 806, disons, 806 prisonniers, c'est tout qui ça jusqu'à présent nous avec nous. Liste ça, des détenus, des condamnés. Mais il faut que je rappelle nous, pour nous essayer de bien comprendre. Dans le plan de désengagement ministère là, qui est établi, nous avons critères, pour chaque critère, nous avons développé en deux plans à tout des stratégies, comment nous qui stratégie nous faire pour nous permettre que chaque groupe de monde qui répond à tel critère, mais comment nous allons faire des marches pour nous aider aux jeunes libertés. Maintenant que les DAP finissent soumettre tout ça, nous devons faire un travail. Travail nous devons faire pour nous vérifier est-ce que toute liste moun DAP Banyo qui c'est 806 moun est-ce que vous te répondez avec critères qui étaient dans le plan avant d'aller procéder aux stratégies envisagées dans le plan. Laisse ça nous font groupe de travail là il constitué de 1 2 3 4 5 6 7 moun. Groupe de travail, c'est un groupe de travail sur la vérification des noms inscrits dans les listes à nous soumises par la direction de l'administration pénitentiaire. Groupe de travail, ça qui monite la donne. Groupe de travail, ça, c'est M. Frissobou, qui est notre assistant à la direction des affaires judiciaires, qui est représenté au ministère. Il y a M. Genel Pierre, qui est responsable et chef service détention dans le ministère, qui est représenté au ministère. Il y a Yvan Thibault, qui est substitut commissaire gouvernement parquet de Port-au-Prince. Il y a M. Joël Sylvestre, qui est chef service et administration judiciaire dans le ministère là toujours. Il y a Guy Topelage, qui est un employé qui est là pour opérateur de saisie dans le ministère là toujours dans le service d'administration judiciaire. Il y a James Préville, qui est un représentant OPC. Et puis, il y a James Fier comme représentant JSSP. Ça veut dire, je vais rappeler, nous avons 7 dans le groupe de travail qui a vérifié la liste que DAP est soumise par le ministère. Et je vais rappeler, nous avons 5 membres, 5 employés du ministère là, et puis 5 employés, 4 employés du ministère là, puis son substitut du commissaire gouvernement, et nous avons James Prédville, qui c'est représentant OPC, et puis nous avons James Pierre, qui c'est représentant JSSP. Le travail ça a fini fait, il y a 111 personnes qui ont été écartées dans la liste, 806 personnes prison qui ont été envoyées par le biais de la direction de l'administration pénitentiaire que la direction générale de la police est suite à correspondance ministre. Il y a 111 personnes qui ont regardé, il y a 695 personnes. Dans 695 personnes, il y a les condamnés ainsi que les détenus. Le travail que nous avons fait, c'est un groupe condamné. Groupe condamné, ça y est, nous avons dit, suivant le plan de désengagement du ministère, de désengagement des prisons établi par le ministère de conseil avec des partenaires, nous avons dit, nous avons dit, nous avons liste condamnée pour nous procéder avec une stratégie. Mais comme nous disons, le temps nous a dit que nous allons établir cette liste d'urgence pour essayer la liste qui pourra joindre le président pour la liste faire nous faire une vérification sur le rapport pour une fois le président, la liste arrivée, le président a posé signature pour ça ne pas causer problème. Et vu que le temps, et COVID-19 avance pour nous sous nous. Il y a des acteurs qui plus ont insisté pour nous soumettre l'ISLA par le président. Et il y a des acteurs qui même ont fait pression. Côté que nous sommes arrivés, je viens du président, ils ont dit que nous avons l'ISLA, mais nous ne parlons pas de vous, pour les gens graciés, pour les gens présidentiels, et nous ne parlons pas de Christian Kebel. Sur l'insistance, nous-mêmes, nous sommes obligés, et sans travail, épuration, ça n'a pas fini. L'ISA oblige à jeune président. L'ISCA jeune président a 432 personnes, 432 condamnés. Le président, l'ISA arrive jeune président avec Covid qui va mal au temps. Président, équipe président,
de 432 personnes, ils ont dit qu'ils ont retiré 17 personnes là-dedans. Qui ont retiré 17, c'est les gens qui ont figuré deux fois seulement. Ils ont dit, pas de temps encore, pression corona, d'autres acteurs ils ont obligé, seulement dans la vérification, ils ont obligé de porter considération par eux sur les noms qui répétaient deux fois dans la liste. Il y a ça, liste 432 personnes que ont venu retirer 17 personnes là-dedans, ils ont venu retirer 415 personnes. Le 415 moun sa, président sorti, arrêté, publié pour moun sa yo, yo gracié, pour moun sa yo a jeune bête. Mais pas oublier que, la preuve de nous, le temps pour travail d'épuration qui est fait, te vingen, et nous pas de vingen temps, sous, premièrement, sous question pression maladie, dans la prison que tout le monde est senti alerté, et puis pression l'autre acteur qui a travaillé ensemble avec nous, qui a dit qu'il y a du travail pour nous faire là, c'est perdre de temps, voyez ça. Maintenant, malheureusement, l'objectif était louable, mais malheureusement, après la publication de l'arrêté, malheureusement, il y a quelques noms qui provoquent le scandale. Nous, ça y est, nous recevons une liste de 11 personnes qui ont dressé scandale côté ministère, penché sur la question, qui veut avoir un travail technique pour essayer de déterminer côté nous prenons la main. Là, nous considérons un cas qui fait plus scandale là, c'est un cas nous monde qui était condamné à Jacques Mel. Qui est le Harrison Domo dit Jean-Marie, moun sa condamné à Jacques Mel, et après condamnation, moun nan fait le pouvoir en cassation. Côté cassation annule le jugement, il voyait dossier dans le tribunal première instance Petit Gouave pour dossier pour question à le rejuger. Malheureusement, Petit Gouave nous connaît une prison qui appelle à construire. Bon souci pour ne pas qu'il moun sa et nan garde à vue Tigouave, parce que prison Tigouave la beaucoup inauguré, yo te obligé prendre décision pour yo transférer moun sa dans prison Croix des Bouquets. Ça c'est résultat enquête là-bas. Le moun sa arrivé Croix des Bouquets, malheureusement, pendant que nous-mêmes n'a perdu du temps fait plusieurs séances de travail. Et avant même la publication de l'arrêté présidentiel, soit le 25 mars 2020, nous avons été libéré avant même l'arrêté à sortir. Il était libéré par le commissaire gouvernement Croix des Bouquets, qui dit que dans une note, pour des raisons humanitaires, ce que nous-mêmes, et après la libération, malheureusement, nous avons pris le malin plaisir, nous avons fait non sa portée. Dans l'arrêté présidentiel, comme nous, qui condamnés, qui méritent grâce, pour puis devant, pour y aller prétexter que nous, ça c'est grâce des gens. Tandis que nous l'avons libéré le 25 mars, arrêté à sortir le 17 avril, mais nous-mêmes, au niveau du ministère de la Justice, nous réagissons vite, nous identifions les gens qui concoctent pour ça, et nous prenons des mesures administratives, nous prenons des sanctions contre nous, et nous pas. Rappelez-nous, si nous avons touché des questions, ça, avec deux commissaires gouvernement, nous sanctionner ces commissaires gouvernement Croix des Bouquets et le commissaire gouvernement Jérémy. Il y a l'autre nom tout qui portait dans la liste 11 personnes qui provoquaient le scandale. Par exemple, il y a quatre noms nous qui étaient portés dans la liste qui provoquaient le scandale, qui ce sont des criminels. Que, qui pas de jeune libération, qui joue libération, qui sorti Jérémy, moun sa yo, nou sa yo, yo te ge ton soumettre yo, pour yo te joue grâce présidentielle depuis au mois de décembre. Mais comme président, pas ge ton by grâce au mois de décembre, avec insistance de série d'acteurs mal intentionnés, yo te arrivé porter non, ben nous l'autre pour. Ou nous avons devenu porter sous question liste qui te mérite grâce. Ça veut dire que 4 mois sans Jérémy, nous c'est malveillant. Nous dit que au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas tolérer ça.
Parce que l'intention est bonne, pendant qu'on a une bonne intention, mais il y a des éléments qui ont l'autre objectif qui a saboté, nous prenons des mesures, des sanctions, d'ordre administratif comme de Mounza. Il y a l'autre nom tout qui est inscrit dans l'ISPOS Mounza. Par exemple, il y a Laurent Hugues Erard qui pour tentative d'assassinat, il y a une erreur qui fait. Nous, ça, le côté, nous, on ne pas de côté. C'est où nous avons dit Mounsa, qui est entré dans la prison en 2013, qui est condamné pour 15 ans à l'issue de l'eau sous grâce. Ce n'est pas vrai parce que Mounsa est condamné le 2 juin 2006, il est excusez-moi, il y a une ordre de dépôt, ça veut dire l'entrée, il y a un dépôt pour lui le 2 juin 2006, et Mounsa jugé. Le 26 février 2008, il est condamné à 15 ans de prison. Ça veut dire de 2006 à 15 ans de prison, ça veut dire que Mounsa a fait le juge permis en 2021. Qui est l'autre cas toujours, le côté, par exemple, Camille Baléa qui s'est dérivé du Sénat, qui provoque un plus scandale comme une monde qui était dit qui était tué, qui était condamné à 10 ans de prison, qui fait 4 ans. Qui fait 4 ans sur une prison seulement que nous avons tenté tout de vigilance pour libérer. Et nous-mêmes, nous sommes très vigilants. Là, nous avons touché des questions. Nous avons instruit le commissaire gouvernement du Baléa, le commissaire gouvernement à Imbaléa, nous avons su soit à libération pour nous. En attendant, nous vérifions comment nous a été fait rentrer dans liste grâce là pour tenter de libérer. Jusqu'à présent, enquête ça, la poursuivi, nous baillons sur si, sur lui, réellement, mais enquête ça, la poursuivi pour déterminer responsabilité chaque monde, et puis le ministère va garantir tout, une fois nous finis, la sanctionner, les gens qui méritent sanctionner. Et je pense que nous avons 11 personnes qui provoquent des scandales, nous avons des noms qui là réellement qui pas parlé là parce que c'est pas erreur certaines organisations qui appellent nous surveiller qui météo là d'autant plus non nous ouais que réellement notre travail organisation fait nous réellement c'est justice que nous faisons bon travail nous prenons sanction mais nous pour garantir nous étions deux seulement juridictions pour nous enquêter sur nous c'est juridiction Grande Rivière du Nord et puis à Quai. Deux juridictions sont traitées pour 4 noms. Deux juridictions sont garanties à la population avec la société d'appeler l'enquête. Une fois nous établissons responsabilité, chaque autorité ou chaque acteur qui te trompe nous dans la démarche que nous avons fait par rapport à COVID-19, nous avons sanctionné. Ça, c'est clair. Nous autres, au niveau du ministère de la Justice, nous ne tolérons pas les dérives. Nous autres au ministère de la Justice, au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas nous permettre à ce que des acteurs du système, au lieu que nous aider nous renforcer le système, nous sabotons le système. Merci beaucoup.